Bonsoir à tous, bienvenue dans cette quotidienne de la place du village en ce mardi 8 novembre 2021. Vous êtes les bienvenus, nous sommes en direct comme chaque soir sur Facebook et également aussi donc sur notre chaîne YouTube pour 45 minutes d'évasion en Savoie-Mont-Blanc en compagnie de Jean-Noël et de Philippe de Paris. On parlera également donc de ce qui se passe aussi dans vos villes et dans vos villages dans les prochains jours avec notre agenda des sorties. On aura également comme tous les soirs de la musique, des traditions, on aura de très belles images de nos paysages, des rencontres et des anecdotes également durant donc cette émission. Et on parlera aussi de la météo tout à l'heure avec votre bulletin de météo aux alentours de 19h55 dans un nouveau direct. Comme chaque soir, c'est votre émission de proximité. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre chaque soir sur nos réseaux. On vous remercie énormément de votre fidélité et on va encore vous proposer encore de bons moments. Donc on va donc passer ensemble. Ce soir, dans la place du village, on va bien sûr vous emmener encore pendant quelques instants dans le grand reportage de 26 minutes. On va justement regarder donc le sommaire donc de cette émission de ce mardi 8 novembre. Et bien ce soir, vache et agriculture au pied du Mont Blanc, ce soir avec Jean-Noël de Paris, à retrouver dans quelques instants pour notre grand reportage. Et regardez, vous avez Jacques Legros, le présentateur du JT de TF1, qu'on retrouvera donc dans ce grand reportage avec Jean-Noël de Paris. On aura également de la musique avec toujours des petites pastilles vidéo de notre cher Patrick Léglise en compagnie du groupe Message. J'ai donné mon cœur en montagne qu'on retrouvera donc dans cette petite capsule vidéo qu'ils nous ont postée durant le week-end dernier et on les remercie énormément. On aura également aussi tout l'agenda de vos sorties donc pour les prochains jours. Et puis ce soir, on va vous poser une question. Savez-vous ce qu'est un tour de clochet? Eh ben, une belle rencontre ce soir avec Jacques Gouillet à Arbois en Bugey, du côté de l'Ain, tourneur ornemental du Surbois. Ça sera en compagnie de Jean-Noël de Paris pour cette rencontre. Et puis ce soir, dans la place village, en fin d'émission, dans les génériques de fin, on ira survoler ensemble les montagnes des Savoies. C'est un très beau donc drone, justement. Merci à Padawan pour justement ces très belles images avec la neige, moitié automne, moitié hiver. C'est vraiment de très très beaux images. On retrouvera donc tout à l'heure, à la fin de l'émission. Allez, comme tous les soirs, bien entendu, on va commencer par votre grand reportage du soir. Hein, et puis, le grand reportage ce soir, donc dans la place du village, on va justement s'intéresser à cette rencontre. On va parler de vaches et d'agriculture. On va aller justement du côté du pied du Mont-Blanc ce soir dans la place du village avec un invité exceptionnel. Vous le connaissez, vous êtes des millions à le regarder. C'est Jacques Legros qui présente le JT de TF1 très régulièrement. On va le retrouver dans ce reportage en compagnie de Jean-Noël de Paris au pied du Mont Blanc. Vous allez voir de très belles rencontres et de très beaux paysages donc dans ce très beau reportage et on se retrouve juste après. Voilà le Mont Blanc, magnifique. Bonjour à tous, nous sommes au pied du Mont Blanc pour une émission bien particulière. On va la décliner autour du thème de la vache, de l'agriculture. Et on va commencer par quelqu'un qui s'y connaît, puisqu'il habite juste en face du Mont-Blanc. Nous sommes au Barbolet, commune de Servoz. C'est Bernard Ducrot qu'on ne présente même plus. Bonjour Bernard. Eh ben bonjour à vous, c'est sympa d'être venu chez moi. Hein. Eh bien regardez-moi ça. Et puis c'est super beau chez vous. C'est un petit goût de paradis par là. Je vais dire qu'aujourd'hui, je regrette un peu que le temps ne soit pas tout à fait clair, parce que d'ici, il y a une vue sur la chaîne, sur le Mont Blanc, fantastique. On est à près de 1000 mètres d'altitude au-dessus du hameau du Mont. Il y a Chamonix pas bien loin, Megève pas bien loin. Bernard, vous êtes né par ici, vous? Moi, je suis né carrément au village du Mont. Voilà. Et mes ancêtres, par contre, mes parents, mes grands-parents, venaient du village du Tour. Absolument. Ah ouais. Un des hameaux le plus enneigé de France, le Tour au-dessus de Chamonix. D'ailleurs, le Tour au-dessus d'Argentière. D'Argentière même, d'ailleurs. D'ailleurs, il suffit de regarder à votre gauche, Philippe, et vous avez le vainqueur du Cervin, qui est mon arrière-grand-oncle. Absolument. Michel Croc. Eh bien voilà, Michel Croc. Eh bien voilà, tout est dit sur Bernard, la passion de la montagne, de l'agriculture. Ah oui, oui. Parce que, et il faut le dire aussi, c'est lui qui commente les grandes compétitions de ski, Bernard. Passionné de vaches d'airain, mais bien passionné sûr. De ski aussi. Absolument. On parle de vaches d'airain. Cette émission est consacrée aux vaches, mais on ne peut pas ne pas parler de ski, évidemment.
Ah ben le ski, j'en ai fait depuis l'âge de 2 ans et demi, 3 ans. Et puis j'ai fait toute ma carrière en hiver dans le ski. J'étais Absolument. directeur d'école de ski au Club Med. Et ben voilà. Et aujourd'hui, je skie encore comme un fou parce que j'ai la passion du ski. Et ça vous fait 75, c'est ça. Et j'ai 75 ans Et pour voilà. parler un peu en Suisse, quoi. Ce qui montre bien que le ski, ça concerne. Mais je ne sais pas si c'est le ski qui Si. concerne, mais moi, je Oui, là, pense chaleur. avoir un esprit jeune. Et puis le fait d'avoir bossé au club, d'avoir tourné dans Ah, tous il y a les un pays du esprit, monde, absolument. je ne sais pas si c'est ça qui concerne, mais en tout cas, moi, j'ai encore aujourd'hui envie de m'éclater à tout niveau, quoi. Eh bien, ça, c'est beau, justement. Tiens, on va parler d'agriculture. On parlait, vous voyez, avec l'accent suisse ou presque tout de suite. Alors, la vache, la race des Reims, on la reverra dans cette émission avec notamment, après vous, on rencontrera Joseph. Mais vous avez lancé les combats de Rennes. Ouais, le premier match, parce que moi je suivais tous les matchs en Suisse depuis tout jeune. J'allais avec mon frère aîné, on suivait tous les matchs, hein, au printemps, à l'automne. Et puis après, comme mes parents en avaient déjà, la race des Reims, moi j'ai repris le flambeau. J'étais au boulot, hein, au Club Med, et En plus, hein. j'avais Bien encore sûr. une dizaine de Ah ouais. bêtes que je mettais en pension. Ça me coûtait un peu d'argent. Mais c'est réellement une passion. Et puis on précise bien que ces combats de Rennes se sont diffusés de plus en plus loin aujourd'hui, hein. Ça a gagné du terrain, justement, au travers des premiers combats qui Absolument. ont eu lieu dans la région. Et maintenant, les gens se sont pris d'affection pour cette race qui est attachante, il faut le dire. Absolument. Moi, je trouve que ce sont des vaches comme des chiens. Elles vous suivent, elles reconnaissent la voiture. C'est ce qui fait justement l'attachement qu'on a pour ces bêtes d'airain. Voilà. Dont on rappelle quand même que sur le combat, elles vont loin, elles sont pas mal, mais elles y vont au combat. Hein. Oui, mais ce que j'explique toujours quand je commente un Bien sûr. match, c'est expliquer aux gens que c'est une chose tout à fait naturelle, parce que les gens se disent combat de vache. D'ailleurs, j'aime pas le terme combat de Non. vache. J'aime mieux Comment vous dites? bataille de Bataille. rennes. Bataille de Rennes. Comme les Italiens, eux, disent la bataille des rennes. C'est plus sympa, c'est plus doux. Voilà. Mais combat de vache, moi, ça me gêne un peu, parce que c'est une chose naturelle. Vous mettez Ah non, mais ça, 50 c'est pas vaches, simple. 100 vaches, comme en Suisse, en alpage au printemps, elles ne se connaissent pas, elles vont s'affronter naturellement. Donc, il n'y a pas de dressage, il n'y a pas de blessures graves, je dirais. Absolument. On entend une estafilade. Non, non, c'est. Bernard Ducrot commente les batailles de Rennes. Nous sommes le 20 octobre pour l'enregistrement. Dans quelques jours, il y a une finale internationale, s'il vous plaît, à Aoste. Et là, cette année, c'est Aoste qui organise. L'an dernier, c'était en Suisse, au Châble. Et puis, il y a 2 ans, c'était à Chamonix. Eh bien, Donc. écoutez, on va le dire, la place du village est transfrontalière, eh bien aussi la vache des Reins est transfrontalière aussi. Allez. Ça rapproche les peuples. Complètement transfrontalière. Et il y a une très bonne ambiance, principalement avec les Valdotins, comme on dit, mais avec les Valaisans aussi, Les parce qu'on se Valaisans, connaît Valdotins, depuis longue on est date. cousins, on est Ah, voisins, on est amis. mais ils sont tellement sympas, On les connaît chaleureux. bien dans la place, on ira les revoir encore plus souvent. Bon, je dirais, sans Oui. vexer personne, que les Valaisans sont peut-être un peu plus chauvins que les Valdotins. Ils sont vraiment attachés. On peut pas le reprocher non plus. L'an dernier, j'ai appris, j'étais pas présent, mais j'ai appris que ça a été une catastrophe nationale quand la vache de Cloître a gagné Eh oui. au Châble, en plus, Eh oui. dans la fief de Eh la oui. race des Reins. Ouais. Ouais. Voilà. Il y a du chauvinisme, comme dans le foot, ça se passe comme Oui. ça. Bernard est membre du jury. Alors dites donc, Bernard, comment qu'on fait pour apprécier un combat Mais une bataille de Rennes. c'est relativement simple parce Ouais. que là-bas en Italie, ils font généralement toute leur bataille comme un tournoi de tennis, deux par deux. Ah oui, exact. Alors c'est élimination directe. Ben voilà. Donc il y a les 16e, les 8e, Ouais. et puis en finale, on retrouve. Mais il y a les catégories en fonction du poids des vaches. Par contre, les Suisses, eux, font différent. Ils font rentrer 12 vaches. Et c'est les éliminatoires. Et celle qui a perdu 3 fois, elle sort. Par contre, là, pour la finale internationale, les qualifications se feront à l'italienne, c'est-à-dire deux par deux. Et puis les 4 meilleurs qualifiés de chaque pays se retrouveront à la Suisse le soir, c'est-à-dire une douzaine dans la reine.
Écoutez, la passion, la sang dans le propos de Bernard. C'est quoi pour vous, Bernard, une belle bataille de rennes? Une belle bataille de rennes, c'est quand les vaches s'affrontent, même si la bataille dure quelques minutes. Mais c'est ce qui fait, parce qu'il y a toutes sortes de combattantes. Vous avez celles qui travaillent avec les cornes. Il y a celles qui vont travailler en force. Et puis les pieds. Les pieds, pas grand chose, attention. Elles travaillent en poussée parce que certaines sont plus lourdes que les autres. Mais ce n'est pas forcément les plus lourdes qui vont gagner. Et puis quand vous commentez, dites donc, vous enflammez la reine. Évidemment. D'une part, j'explique aux gens en permanence ce que sont les combats de reine ou les batailles de reine. Et puis je fais briller un peu celle que je connais. Enfin, il faut faire une ambiance dans l'arène. Allez, dans un instant. Tiens, on ira voir Joseph, émission filmée par François Genoux là aujourd'hui. Merci beaucoup. À bientôt. En tout cas, moi, je vous remercie encore une fois parce que ce n'était pas prévu, mais je crois que c'est ça. C'est ça qui est sympa. Les bons moments, de se retrouver comme ça à l'improviste. Et faites du ski encore longtemps. Ah, mais j'espère et avoir. Et aimez encore les races des reins encore longtemps. Tant que je serai vaillant, je continuerai à assumer mes deux passions. Merci de cette passion. Le vache des reins et le ski. Merci. Allez, un moment qu'on aime bien, une transition. Avant de voir Joseph dans un instant, on va trinquer avec Jacques Le Gros qui nous a rejoint pour notre plus grand plaisir aussi. Dès qu'il y a à trinquer, moi je suis là. Hein. Il connaît bien le domaine du vin et la terre, le titre du vignoble. Et oui, je suis vigneron moi, d'ailleurs, mais pas ici. Mais bon. Et on va goûter un vin bien particulier, dites donc Bernard. Oui, c'est un vin particulier parce que j'ai une femme particulière aussi. Elle vient du sud Tyrol, la partie du Tyrol qui a été rattachée à l'Italie. Et puis là-bas, c'est surtout la culture. Ils produisent beaucoup de pommes, de raisins. Et ils font des vins qui sont intéressants. Ouais. Alors aujourd'hui, je ne sais pas, il y a un spécialiste du vin. Cahors, là-bas, je ne sais pas ce qu'il va penser du Lagrange du Sud-Tyrol. On va lui demander. Tiens, on va le goûter. Avec modération à la vôtre. Allez, Jacques. Santé, Jacques. Et alors, Jacques, il en pense quoi? Il est juste tannique. Juste ce qu'il faut. On sent bien le fruit, hein, des fruits un petit peu mûrs, un petit peu confits. Et c'est un vin superbe. On va pas faire de comparaison. J'aime pas comparer les vins. Chacun a sa personnalité. Hein. Mais c'est un vin qui est harmonieux, qui irait bien sur une bonne viande. Ça peut se faire, ça, un peu de charcuterie ou quelque chose. Pas une viande d'airain, quand même. Je ne t'ai pas dit ça. Hein. Et Tyrol, il y a le speck aussi. Hein. Le speck. Donc, on accompagne souvent le speck. Merci de l'accueil, en tout cas. Merci beaucoup. Dans un instant. Allez hop, Joseph, merci encore. Rencontre sur un banc, comme on les aime, ces rencontres. Nous sommes à Ouzouche, dans la plaine Saint-Jean, c'est la partie basse, et nous sommes à la ferme avec à mes côtés, nous avons Joseph. Bonjour Joseph. Bonjour Jean-Noël. Alors on est venu vous voir parce que on vous connaît dans la région et même d'assez loin. Vous êtes un passionné de vaches, d'airain. Oui, on est plusieurs à être passionnés, moi entre autres, parce que j'ai toujours vécu au milieu des airains. C'est... mon père en a eu, il était passionné par ça et moi j'ai depuis tout petit je baigne dedans, donc je connais tout l'engrenage des airains, c'est-à-dire la naissance, continuer à les faire grandir, à les emmener au combat, c'est tout un... On va rappeler, on l'a déjà dit dans cette émission, mais que la vache d'airain, la noire comme vous l'appelez ici, elle est gentille comme tout et pourtant elle adore combattre. Ah, tout à fait. Oui. Avec l'homme, c'est certainement une des vaches, les plus sociables. Elle a toujours besoin de nous. Elle a toujours besoin. Dès qu'on va dans un pré, on l'appelle. Elle arrive en courant. D'ailleurs, on s'en sert dans d'autres troupeaux. Les gens en ont racheté pour pouvoir mener le troupeau parce que c'est une bête qui nous suit partout. Avec un petit morceau de pain, on l'emmène sans corde, sans rien. Elle nous suit. Ça impressionne des fois les gens. Ils disent mais comment tu fais alors que pour des
des gros troupeaux de charolaises, il faut des parcs, des barbelés, des trucs. Elle, un petit morceau de pain, elle nous suit. Alors quand même, elles sont gentilles, c'est vrai, dis donc Joseph, mais elles aiment combattre, elles sont en compétition. Ah. Alors ça vient d'où? C'est un gène chez elles? Oui, voilà, je pense que c'est développé beaucoup plus. On retrouve ça dans n'importe quelle race, mais chez les reins, c'est développé beaucoup plus. Alors elle a besoin d'affirmer sa dominance sur sa congénère. Donc ce qui fait qu'à partir du moment où elles sont en troupeau, il y a combat pour être la reine du ce que nous, on appelle la reine du troupeau, et qui va emmener dans les alpages. Le troupeau à l'herbe. Les batailles de reines, nous sommes, on le rappelle bien, ici aux Zouches pour l'enregistrement. Et dans cette vallée, il y a des rendez-vous souvent importants. C'était il n'y a pas longtemps, la semaine dernière, on enregistre, on dit bien le 20 octobre 2016. C'était chez vous, à domicile. Voilà, c'était aux Zouches le 25 septembre. Oui, on a fait. Il y avait un temps magnifique au lac des Chavans. Il y a une journée de rêve parce que les gens se sont. Même ceux qui ne s'intéressent pas forcément, ils voient des vaches, ils viennent en famille. Et puis, bon, bah, y a les passionnés qui reviennent. Mais c'est quand même un spectacle qui arrive et qui attire 3000 personnes. Et 3000 personnes, bon, c'est gratuit. Et les gens se retrouvent justement dans des fêtes d'automne comme ça, où finalement, ils ne se voient pas de la saison. Et d'un seul coup, ils se retrouvent. Et d'année en année, ils se prennent au jeu. Ils disent « Ah, mais c'est là, rappelle-toi, l'année dernière, voilà. » Et ainsi de suite. C'est devenu un sport local, on va le dire, ces batailles de reines. Et puis on connaît. Alors, vous faites partie quand même de ceux qui, avec vos vaches, ont gagné pas mal de trophées. Oui, tout à fait. Oui, on veut gagner, on veut toujours gagner. Je crois que quand on participe, celui qui me dit qu'il ne veut pas gagner, je ne comprends pas. Bien sûr qu'on sait que certaines fois, on a très peu de chance, mais avec un coup de chance, pourquoi pas. Compétiteur, hein. Joseph, justement, vous avez connu 13 vaches, c'est ça? Voilà, ouais, 13 vaches, ouais. Avec un taureau. Avec un taureau et... Alors, un mot quand même, dites donc, j'ai sur le taureau là, franchement, il est beau. Ah, il est beau, et de race surtout, c'est une très très grande... quand on parle de race, c'est surtout la souche de la mère du père. Alors, dites-nous un peu, la mère de ce taureau vient d'où? Alors, la mère vient d'Italie, mais surtout sa grand-mère, enfin du Val d'Aoste, mais c'est surtout sa grand-mère qui a été deux fois reine régionale en Italie, ce qui correspond à deux fois championne, une très très grande championne qui a une valeur énorme. Absolument. Alors, la valeur des reines, les plus connues des reines, ça peut monter très haut. Ouais, ça peut monter très haut, mais enfin, c'est-à-dire qu'il arrive un moment où on donne, je pense que l'éleveur ne veut pas la vendre. Absolument. Il met le tarif maximum parce qu'il n'a pas envie de la vendre. Pas s'en séparer. Voilà, tout à fait. Bien sûr que si quelqu'un lui donne, il va la lâcher. Ouais. Alors, il y a une sorte de championnat du monde, entre guillemets, c'est pas ce qu'on l'appelle ici. Ça se passe soit en France, soit donc en Val d'Aoste, soit également en Suisse. C'est le fameux triangle de l'amitié. C'est un très, très grand, c'est le plus grand des rendez-vous de bataille de Rennes. Voilà, oui, ça a été mis sur pied il y a 5 ans en arrière. Tout à fait. Bon, il faut dire que ce n'est pas forcément les très grandes reines de chaque pays, mais c'est les meilleures génisses premier veau. C'est les génisses catégorie génisses premier veau. Voilà, de manière à ce que ce sera les championnes futures. Voilà. Mais elles sont déjà dans l'arène avec déjà beaucoup de valeur et beaucoup de... Et Joseph participe parce qu'il y a 16 sélectionnées par pays, hein, oui, 16 vaches, voilà, oui. Dont une des vôtres. Ah oui, je l'ai emmené hier à Aoste. J'espère qu'on s'en occupe bien. Mes copains vont s'en occuper parce que je vais aller la retrouver samedi pour le combat. Ça se passe samedi prochain, on dit bien, c'est le 20 octobre pour l'enregistrement. Et c'est un très très gros rendez-vous, ça se passe à Aoste, il y aura un monde fou. Hein. Dans les arènes de la Croix-Noire qui peuvent attirer à supporter 10 000 personnes, donc c'est l'équivalent d'un stade de foot avec l'infrastructure qui va avec, c'est-à-dire... C'est énorme, c'est énorme. Et d'ailleurs, vous avez fait combien, votre meilleur résultat à cette compétition? Alors, cette compétition, j'ai participé que 3 fois parce que j'en ai une qui a été qualifiée à Chamonix et qui a participé. Eh bien, regardez-moi ça. Et puis, vous êtes le meilleur, bien sûr, pour ce samedi prochain. Alors, plusieurs générations avant vous, mais après vous, il y aura aussi probablement, on l'espère, vous l'espérez, j'imagine. Ouais, j'ai un petit-fils qui a 4 ans et je pense qu'il est déjà venu un petit peu avec moi, avec les vaches, et je pense que, ouais. Joseph Deschamps, l'homme des reines, des vaches des reins. Un grand merci, un petit message en mémoire à votre maman décédée tout récemment.
Oui, oh ben, c'est sûr qu'elle m'a transmis l'amour des animaux, l'amour de la passion, justement, des rennes et de ces choses-là. Et je la remercie, oui. Voilà. Elle habitait juste ici. Elle était là, dans cette ferme. Et elle guettait dès qu'il y avait un village, dès qu'il y avait des choses, elle m'appelait tout de suite. Et ça, elle est encore là. Elle est encore là, elle va rester longtemps. Absolument. Oui. Absolument. Eh ben, un grand merci, Joseph Deschamps, dans la place du village. Les passionnés comme on les aime. Et puis on a compris qu'avec vous, eh bien, il y a des valeurs qui sont au-dessus, et il y a celles des hommes, mais aussi les valeurs des bêtes, il ne faut pas y oublier. Et je crois que quand on aime les bêtes, on aime les hommes. Eh bien, oui, tout à fait. Eh bien, merci à vous. Et puis, c'est une émission que j'aime beaucoup. Ma mère l'adorait. Voilà. Eh bien, tiens, on lui dédie cette petite interview, vous voyez, merci à votre maman décédée il y a peu. Un grand merci. Voilà, ben, écoutez, c'est formidable de parler avec des gens comme ça. C'est ça aussi la place du village. Des choses toutes simples qui font du bien. Harvey, comme on dit. Harvey, merci. Allez, on change de robe. De vache, attention, on est passé à la noire tout de suite. Le brun fauve maintenant avec Xavier, dites donc. Et c'est de la tarine chez vous? Ah, ici, c'est exclusivement de la tarine, oui. Ouais. Donc on a changé de couleur, changé bien sûr d'invité et nous changé de commune également. Nous sommes maintenant à Servoz, c'est pas loin des Ouches et ça se touche. Hein. Ah, ça se touche, oui. Ouais. On est même très imbriqués au niveau des écoles. Les hameaux des Ouches viennent à l'école absolument, à Servoz. Absolument, oui, moi ça, c'est l'intercommunalité, vous voyez. Et vous connaissez bien sûr Joseph qu'on a vu juste avant. Hein. Oui, bon, on est très peu d'éleveurs sur la commune, donc ouais. Tout le monde se connaît. Absolument. Alors lui, c'est que de la noire, de génération en génération. Ah, chez Joseph, oui, depuis ses grands-parents, arrière-grands-parents, ouais. Oui, ils ont. Alors vous, c'est que de la tarine, et c'est rare en Haute-Savoie. Vous êtes combien, 4-5 éleveurs à faire que de la tarine ici dans le département, hein? À peu près, oui. Ouais. C'est une passion pour cette race. Voilà. Et vous, c'est pas de génération en génération, puisque vous êtes arrivé, on dit hors cadre, ça veut dire que vous n'étiez pas dans le métier. Non, moi je suis installé hors cadre familial, donc mon père était charpentier, ouais. Et j'ai repris en 99 deux petites exploitations qui arrêtaient le lait. Absolument. Et donc là vous avez... Alors comment on fait pour s'installer comme ça sans y... Enfin, vous y connaissiez bien sûr, mais c'est pas forcément simple. C'est pas très simple, non. Ben, j'ai fait une formation, j'ai fait 6 ans d'études agricoles, absolument. Donc avec un BTS à la clé. Ouais. Et puis après, ben, on se forme sur le tas et je dois dire qu'au début, c'est très difficile. Eh oui. Parce qu'il n'y a plus personne une fois qu'on est installé. Oui, parce qu'après, on est face à soi-même et avec les vaches. Exactement, avec les vaches et tous les soucis alentour, toute la gestion. Oui. Mais c'est le métier qui rentre à ce moment-là. Ah ben après, c'est le métier qui rentre. Ouais. Et puis, on n'a pas le choix parce qu'il ne faut pas se planter. En GAEC avec votre frère et pas se planter, comment qu'on fait pour ne pas se planter? Il y a des recettes? Des recettes, un peu le bon sens et puis, ouais. Et puis la passion, je pense. Et quand on est du pays, il faut le dire aussi, les gars de la montagne, bah, le bon sens, on l'a appris tout jeune. Exactement, oui. Ouais. Bah, du pays, mon arrière-grand-oncle, c'était Michel Croc, qui a fait le serment. Et dites donc, alpiniste bien voilà. Connu. Donc oui, on est vraiment une famille du pays. Ouais. Michel Croc, effectivement, dites donc. Et vous-même, vous grimpez un peu? Non, enfin, de la balade, de la balade de la montagne à vache, mais disons qu'on aime bien la montagne quand même, oui. Absolument. Alors, on va revenir à nos moutons. Mais non, c'est les vaches aujourd'hui, la thématique. Pourquoi la tarine? C'est une passion depuis que je me suis installé. Ouais. Une passion pour la race. Absolument. Mais j'ai rien contre les autres races. Hein. D'ailleurs, il y a une ou deux abondances dans le troupeau. Et puis, comment elles vont? Elles vont très bien. Oui. Elles sont pas rejetées? Elles sont pas rejetées du tout. Par les autres? Sachant que la finalité, c'est de gagner sa vie, hein, n'importe quelle race qu'on exploite. Absolument. Et est-ce que la finalité, vous l'avez obtenue? Vous gagnez bien votre vie. On rappelle bien que le prix est plutôt bien payé ici. Bah, au bout de 15 ans, quand les emprunts commencent à se diminuer, voilà. Oui, on commence un peu à gagner notre vie, mais c'est quand même assez dur quand même. Cette émission, on connaît bien le monde rural et on sait aussi le courage et puis justement le savoir-faire que vous avez. Et ben, le courage, oui, faut, disons que c'est tous les jours, deux fois par jour. Et puis, même s'il y a des incidents, ben, il faut continuer. Ouais. Quoi. Alors non seulement... On travaille bien sûr pour gagner sa vie, comme vous le dites, mais vous avez aussi ce petit plus, ce petit supplément d'âme qui consiste à faire des concours avec les vaches. Oui, ça c'est une passion. Oui. On fait les concours, on fait le salon de l'agriculture, le sommet de l'élevage à Cournon. Ouais. Plus tous les deux ans, on a un concours départemental là à Servoz. Absolument. Et oui, ça, c'est vraiment une passion. Voilà. Et puis, regardez-moi ça ici, un diplôme.
Donc ça, c'est un diplôme qu'on a eu au Salon d'agriculture qui récompense la totalité de l'élevage pour son implication dans la race, plus la qualité du troupeau au niveau génétique. Voilà. Donc là, on y vient, c'était à Paris, le fameux grand Salon de l'agriculture qui a lieu fin février. Vous êtes monté là avec combien de vaches ? On monte avec une vache et, et encore, c'est très difficile parce que les vaches sont sélectionnées par la race. Ouais. Parce qu'en fait, c'est les meilleurs animaux de France dans chaque race. Et quand on va à Paris comme ça, qu'on habite dans cette région formidable ici, là-haut, et les vaches, les siphons, là-haut, au salon ? C'est pas évident. Il faut un certain temps d'acclimatation. Mais c'est vrai que les vaches sont quand même fatiguées quand elles reviennent. Ouais. Allez-moi ça, on connaissait les transhumances autrefois dans la région. Les vôtres, d'ailleurs, elles se foulent pas trop puisqu'elles montent même pas en alpage l'été. Non, les vaches restent autour du bâtiment. Il n'y a que les génisses qui vont en alpage sur la commune de Passy. Absolument. Au pied du Buet. Au pied du Buet. Rendez compte, le Mont Blanc des Dames, le Buet, avec les paysages qu'elles ont. Puis en plus, la bonne herbe aussi qu'elles ont là-haut. Hein. Ah oui, elles ont un domaine. Elles ont 800 hectares à parcourir en totale liberté. C'est de l'extensif, c'est de la qualité. Et on vous le dit dans cette émission bien souvent, parce que l'objectif, c'est quand même ça, c'est le lait. Et c'est le fameux reblochon. Oui, donc nous, notre lait sert au reblochon et on est content de faire un fromage de qualité. Absolument. Et d'élever nos animaux dans les meilleures conditions possibles. Ouais. Cette émission prend fin. Et regardez, quelqu'un nous a rejoint à la table de Xavier ici. C'est Jacques Legros, que vous connaissez bien sur TF1, le journal télévisé, à midi. Il est avec nous parce qu'il a assisté au tournage. C'est un bonheur pour nous, Jacques. Comment s'est passée cette journée pour toi ? Oui, j'ai assisté à tout. Je suis allé voir les taureaux tout à l'heure, tout noir, là. La vache à qui tu faisais peur d'ailleurs. Hein. Oui, absolument. Et c'est marrant parce qu'il n'y a que toi qui lui faisais peur. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Et puis maintenant, on est avec Xavier. Alors, ce qui m'a épaté, c'est que tu es allé frapper à la porte. Tu ne savais pas du tout que c'était chez Xavier ou à côté ou un voisin. Et puis voilà, puis on se retrouve ici à la table chez Xavier et on discute. Ça, c'est génial. C'est un peu le miracle quotidien de la place du village et puis la gentillesse des gens qui nous reçoivent. C'est quand même formidable. Oui, alors je ne sais pas si c'est propre à la Savoie, à Haute-Savoie, enfin à ce pays du Mont-Blanc. Et sûrement qu'il y a quelque chose. Les gens sont finalement très accueillants ici. Hein. Bah, je pense, oui, c'est un peu l'esprit montagne, je pense. Absolument. Ouais. Alors, parfois, on dit qu'ils sont un peu froids au démarrage. C'est vrai. Des fois, on est peut-être un peu bourru, mais... Voilà. Il faut se méfier, tu sais, de ceux qui sont trop chauds au démarrage. C'est vrai aussi. Et puis, Jacques, dis donc, Jacques, là, cette table-là, quand on pivote notre regard à droite, et on a un... Tout à l'heure, pendant que vous parliez, moi, j'avais un œil sur la vitre, là, et le Mont Blanc en face, et je me disais, quand Xavier se réveille le matin, qu'il ouvre sa fenêtre, comme ça, là, hein, nous, on est... La brume, nous. Je ne dis pas sur quoi on est sur rien, d'ailleurs. Ouais. Mais et là, on est devant le Mont Blanc. Non, mais je ne sais pas si vous imaginez, Xavier, c'est un privilège. C'est ça, la richesse. Bah, je pense une certaine forme de richesse, on ne réagit pas toujours, mais c'est vrai que c'est quand même extraordinaire. Et bien, c'est un beau mot pour terminer cette émission. La richesse, finalement, c'est ça. C'est celle de nos paysages et c'est celle du cœur de nos habitants, finalement. Merci beaucoup, Xavier. Merci à vous. Arrivez pas. Merci aussi. Hein. De rien. Merci, Jacques, qu'on retrouve, bien sûr, sur le channel télévisé de TF1 et puis bientôt à nos côtés, j'espère bien. Merci à François Genoula, la caméra, aujourd'hui. À demain pour de nouveaux rendez-vous. La place du village, c'est ça tous les jours. C'est bien sûr des rencontres avec des lieux magnifiques. Arvi pas. Arvi. Comment tu dis Arvi. Au revoir, en patois, Savoyard. Voilà pour ce très beau reportage ce soir dans la place du village avec en invité Jacques Legros, hein, quand même le présentateur donc du JT de TF1. Vous pouvez le retrouver donc très régulièrement à la télévision. Vous le connaissez, c'était bien entendu un beau reportage tourné du côté du Mont Blanc avec Jean-Noël de Paris, 19h30. Merci d'être avec nous en ce mardi. Restez avec nous, vous êtes très nombreux à nous suivre sur Facebook et sur YouTube. On vous remercie, vous êtes chaque soir de plus en plus nombreux et pouvez bien sûr également participer à cette émission en nous laissant un petit commentaire. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire sur Facebook et sur YouTube. Allez, on continue cette émission avec cette fois-ci des images. Regardez, qui ont été tournées. C'est par Bastien Alpes Sport Images, un amoureux de la montagne. Regardez ces très belles couleurs d'automne dans les Hautes-Alpes, tourné par lui-même. On va remercier donc Bastien pour donc ces belles images donc entre dans ce lac donc du côté
des Hautes-Alpes. Voilà pour cette petit clin d'œil qu'on voulait absolument vous faire découvrir aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à aller voir ses réseaux à Bastia Alpes Sport Images, Facebook et Instagram. Allez, on continue avec cette fois-ci notre pause musicale avec nos musiciens dans nos pays de Savoie. On va remercier Patrick D'Église qui nous envoie de très belles vidéos et des très beaux duos également. Ce soir dans la place du village, eh ben, on va donc s'intéresser à Patrick D'Église avec le groupe Message. On les a déjà vus hier, mais ce soir je vous propose justement un autre extrait qu'il nous a envoyé durant le week-end dernier. La chanson que vous connaissez sûrement, J'ai donné mon cœur aux montagnes, que je vous propose de retrouver, regardez. Bonjour à toutes et à tous, je suis en présence d'Alain Mérandel et de Christophe Faure. On va vous interpréter J'ai donné mon cœur aux montagnes. De Christophe Faure. Bien sûr. Bonsoir tout le monde. C'est parti, faites du bruit. Partager la joie, la tendresse.
Ben voilà, merci à Patrick D'Église pour ces très belles vidéos qu'il nous envoie. On aura encore plein d'autres qui vont suivre donc dans les prochains jours. On vous les présentera bien entendu. Merci d'être avec nous, 18h36, on continue votre quotidienne. Chaque soir, on est ensemble entre 19h et 20h pour vous offrir des bons moments de la place du village avec toujours des beaux reportages. Et également aussi, on parle aussi de ce qui se passe dans votre région, notamment dans vos villes et dans vos villages avec les événements proches de chez vous. C'est aussi ça, la mission de la place du village. Allez, on va commencer justement par cet événement qui aura lieu du côté d'Annecy à l'Imperial Palace. Ça sera donc le 27 novembre prochain pour le plus grand spectacle de magie avec des artistes internationaux qui seront présents, reconnus dans le monde entier. Ça sera de 20h30 à 22h30 pour avoir la billetterie. Ben, n'hésitez pas à aller sur billetweb.fr donc pour avoir plus donc de renseignements pour donc assister à ce festival donc de magie du côté d'Annecy. C'est à partir du 27 novembre prochain donc à l'Impérial d'Annecy. Un autre événement pour les amoureux de ski. Et oui, il faut s'équiper, il faut se dépêcher car les stations ouvrent, et tant mieux pour cette année. Et ben, ça sera donc pour la braderie ski du côté de la Clusa. Une grande braderie pour faire les meilleures affaires du début de saison. Et oui, ça commence. Les commerçants de la Clusa proposent donc un grand choix de ski, chaussures et vêtements à prix sacrifié. Le week-end à ne pas rater. Donc, pour faire débuter surtout donc cette nouvelle saison. Donc, les horaires, c'est le vendredi 12 novembre de 17h à 19h, le samedi 13 novembre de 9h à 18h et dimanche 14 novembre de 9h à 19h. Donc ça sera à la salle des fêtes et dans les commerces du village participant à l'opération. Un autre événement, cette fois-ci, toute autre chose, bien entendu, le concert Sainte-Cécile, l'union musicale de Cran-Juvrier, proche d'Annecy, vous invite à son concert de Sainte-Cécile ce samedi 20 novembre à l'espace des Forges à Cran-Juvrier. Les sonneurs de Savoie joueront lors de cette première partie. L'entrée est en plus totalement gratuite. Le pass sanitaire, attention, sera obligatoire pour assister à cette représentation. Un autre événement également à ne pas manquer, c'est la foire de la Saint-Martin. Il y en a pas mal en ce moment. C'est la 358e exactement foire de la Saint-Martin du côté de Bourg-en-Chablais. Ça sera ce dimanche qui arrive, 14 novembre, avec une brocante, des manèges et des animations. Le contrôle des passes sanitaires donc à l'entrée également sera donc mis en place. Donc n'hésitez pas à aller donc à cette foire donc de la Saint-Martin à Bourg-en-Chablais au centre-ville ce dimanche 14 novembre de 8h à 20h. Voilà pour ces événements. Alors, si vous avez bien entendu à nous faire parvenir, n'hésitez pas à nous les envoyer par la messagerie Facebook avec, si possible, l'affiche et également aussi par la messagerie de Instagram. Voilà pour donc cet agenda. On vous donnera encore d'autres infos dans les prochains jours, donc dans cette émission. Allez, on va nouvelle rencontre, nouveau reportage avec nos jumeaux. Et ben, ce soir, on va justement aller du côté du département de l'Ain, du côté exactement qu'on va retrouver ce soir dans la place du village. Savez-vous qu'est-ce qu'est un tour à Guilochet? Alors ça, c'est une bonne question. Vous êtes très nombreux justement à me poser la question. Et bien justement, vous allez avoir la réponse dans ce reportage en compagnie de Jacques Gouillet du côté de Arbois en Bugès et dans l'Ain, tourneur ornemental sur bois. Je vous propose de retrouver cette rencontre avec les images de Marie-Anne Flotteau. Découvrez un tour à Guilochet. Ah, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Explication avec Jacques Gouillet, il est sculpteur ornemental sur bois et nous sommes à Arbois-en-Bugey pour voir cette pièce unique, quasiment assez rare. Tout à fait. Hein. J'ai un ami Jean-Claude Charpignon qui en a fait un ou deux, voire plus, un ancien ingénieur des métiers, peu importe, et qui pratique la même chose que moi ou plutôt l'inverse. Le tour à Guilochet était en possession de Louis XVI. Ce tour a été perdu, retrouvé, racheté par un mécène qui en a fait don au musée des arts et métiers à Versailles. À partir de documents, donc, moi j'ai refabriqué cet engin. J'ai mis quand même 2 ans pour le faire. Il est compliqué celui-là. Hein. Il faut savoir aussi que vous avez ici des cames qui permettent une oscillation. À l'époque de Louis XVI, elles étaient faites à la main. Il y a un savoir-faire qui s'est largement perdu. Et ben voilà. Moi, je les ai faites découper au laser avec des procédés modernes.
Voilà. Alors, et puis, le principe. Et ça, c'est. Alors, ça, c'est une invention qui date de l'an dernier. Et plutôt que d'avancer l'outil à la main, eh bien, j'ai fait ce qu'on appelle une avance automatique. Hein, on va voir le principe. La pièce ébauchée sur le tour traditionnel est animée d'un mouvement d'oscillation qui suit le profil des cames. Et puis, je vais venir entailler. Ça veut dire quoi guillocher exactement? Guillocher, ça veut dire imprimer des figures géométriques de forme régulière qui peuvent être croisées. Alors j'ai ici des couteaux donc que j'utilise sur cette machine. J'ai une trentaine de couteaux. J'ai un train de cam de 10 formes différentes. Voilà. J'en ai encore 10 dans mon garage. J'ai un diviseur ici qui est un engrenage qui permet de croiser les motifs, ce qui me permet de faire un certain nombre avec 225 zéros de figures. Ah ben, choix là. Donc je peux vivre encore 200 ou 300 ans. Pas mal de temps. Jamais au bout. Alors on le voit en fonctionnement pour faire quel type de produit au final? Qu'est-ce que vous faites là? On peut tout faire. On peut faire des boîtes. On veut. C'est les boîtes guillochées que vous avez vues tout à l'heure. On peut faire des piétements pour les boules de canton. On peut tout faire. On peut tout faire. Le nombre est illimité. 225 zéros. Ça fait de quoi après faire. Un certain nombre. Ça fait de quoi faire. C'est incommensurable. Incroyable. Alors c'est marqué ici que c'est protégé, évidemment. On aura vu les images, mais on demande par produire l'appareil. Hein, oui. Alors je l'ai protégé parce que j'ai mis quand même pas mal de temps à faire ceci. N'empêche qu'il y a 4 ou 5 ans, j'ai reçu un coup de téléphone d'une personne d'Auxerre qui voulait voir comment fonctionnait un tour à guillocher. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Elle s'est amenée avec appareil photo, pied à coulisses, papier et compagnie. Le monsieur était tourneur-fraiseur, il voulait non pas en faire un, mais en faire une série. Bon, il a fait 450 km pour venir, il les a refaits dans la demi-heure qui suivait. Donc, respect voilà. Du travail, respect de la propriété intellectuelle. Et puis surtout un grand bravo, parce que derrière cette passion, il y a des produits. C'est aussi une philosophie de vie, dis donc, Jacques. Quand on voit cette façon c'est la technologie, c'est le savoir-faire, et on ne l'oublie pas. C'est ce travail manuel qu'on a perdu et qu'on risque de perdre encore. C'est fini, c'est irréversible. Juste à côté, il y a un autre tour ici. Ici, il y a un autre tour. C'est un tour à faire des torsades que j'ai fait dans un souci d'esthétique, parce que c'est vrai qu'il a peut-être un petit peu de la gueule. Et autre souci d'économie. Je m'étais fixé à un coût de revient de 50 euros, hors des fonceuses et mandrin. J'ai fait des poubelles, des boîtes, bravo, et je suis arrivé au résultat. Alors le principe est très très simple. Hein. On va entamer le bois avec une fraise, c'est-à-dire qu'on va transformer un mouvement de rotation en mouvement de translation. Donc on va voir immédiatement... Physique. Le principe est bravo très encore. Très simple. Voilà. Alors, bravo Jacques. Ceci bravo. Peut se trouver dans le commerce. Bien sûr, ouais. C'est assez rare, mais ça se trouve. Par contre, le tour à guillocher est introuvable. Ça, il faut le dire aussi. Le tour à guillocher est introuvable. Allez, tous les produits faits par Jacques, on les retrouve sur. C'est marqué juste en haut de votre site internet. C'est marqué en haut. D'ailleurs, qui s'appelle comment le site internet? C'est l'art du tournage sur bois Bugiste. L'art du tournage sur bois Bugiste, nous sommes pas loin de Belay. Merci beaucoup, en tout cas, et bravo. Le bois d'origine, on va le montrer quand même, parce qu'on ne l'a pas montré ici. La matière première, on l'envoie ici, et là. Et voici une tranche de buis qui affiche à peu près 600 ans.
que j'ai sauvé d'une chaudière à Virieu-le-Grand. Ah, bravo, ça a de la mémoire. Et ça aussi, c'est pareil, ça c'est vieux. Ça. Voilà, ça c'est vieux aussi, mais c'est une racine d'un buis qui doit avoir après 4 ou 500 ans. Merci beaucoup Jacques, bravo. On a vu la technique, on a vu le savoir-faire, on a vu la transmission aussi d'un savoir-faire. Et ben c'est ça qu'on a dans la passage. Merci beaucoup à Marianne à la caméra et bonne continuation. Et venez ici voir, travailler Jacques et aussi commander ses produits. C'est quand même la meilleure façon de les voir chez soi. C'est vrai que ce soit en tant que client potentiel ou éventuel, voire à titre de curiosité. Absolument. Parce que c'est vrai ça que mérite le détour, comme on dit. Je reçois avec beaucoup de plaisir d'explication. Voilà pour cette très belle rencontre, hein, le savoir-faire du côté de l'Ain. Alors on parlait justement d'un tour à Guilochet. Voilà donc pour ce reportage donc de Jean-Noël de Paris. Merci d'être avec nous, 19h47, bientôt la fin de cette émission. On va quand même parler, regardez, c'est un teasing quand même de Noël qui approche dans les pays de Savoie. Regardez avec le sapin juste à côté de moi, hein, du côté donc des décorations de Noël, donc de la mairie de Courchevel, ça y est, le sapin a été mis en place. On peut voir avec une grue, voilà, donc on voit mieux sur cette photo, une grue qui a été donc dressée du côté de la station de Courchevel, donc pour installer ce sapin de Noël. On sent que les stations commencent donc à préparer les fêtes de fin d'année, donc de cette année 2021, avec voilà le sapin qui a été posé par la commune et la station de ski, donc surtout de Courchevel. Voilà, donc les décorations de Noël qui commencent un petit peu à arriver un petit peu partout dans les pays de Savoie. Voilà pour ces images quand même donc de notre région. Et puis si vous voulez bien entendu nous suivre, hein, sur les réseaux, n'hésitez pas, vous pouvez retrouver la place du village donc disponible sur Facebook, également aussi sur notre chaîne donc de YouTube. N'hésitez pas à aller faire un petit coup d'œil aussi du côté de notre compte Instagram de la place du village. En plus c'est un nouveau compte, et vous avez aussi la chaîne TikTok de la place du village également donc disponible. Donc voilà tout ça pour pouvoir suivre tous nos reportages. Et pour ceux qui veulent revoir l'émission de la quotidienne chaque jour, et bien vous pouvez toutes les revoir en replay sur Facebook, sur YouTube et sur Instagram. Voilà, donc vous avez le choix de pouvoir revoir toutes nos émissions que nous produisons chaque soir. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de votre fidélité. On se retrouve demain à 19h, dans quelques instants, vos prévisions de la météo à 19h55 exactement, pour donc la météo pour demain. Donc nous serons mercredi 10 novembre avec le soleil qui continuera encore à briller pour la journée de demain mercredi. On vous en parle dans un nouveau direct à 19h55. Et pour ceux qui étaient comme tous les soirs de la place du village, on met en avant également des amoureux d'images, notamment avec les drones dans les pays de Savoie. Et ben ce soir on va aller justement survoler les montagnes des Savoies. Merci à Padawan pour ces très belles images. On se quitte avec ces beaux moments de montagne en vous souhaitant une belle soirée à vous tous, et on se retrouve demain mercredi à 19h. Douce soirée à vous tous avec la place du village.